Hey tout le monde, c'est Maïly, bienvenue sur ma chaîne Beauty Paradise. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Vous devez sûrement vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là. Et vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là. Franchement en montage je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous demander si vous aviez tous et toute la pêche. Donc je vous le dis de vive voix, j'espère que vous avez tous et toute la pêche. Là je comprendrai totalement. Après vraiment un long moment d'absence, j'ai décidé d'enfin revenir sur cette plateforme. Après un long moment de réflexion, etc. J'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Mais je reviens. Donc déjà avant tout je vous souhaite une excellente année à tous. Vraiment la santé, le meilleur pour vous. Et donc une de mes résolutions de l'année 2021, ça fait vraiment bizarre, c'est tout simplement de me mettre à fond dans les vidéos YouTube. Donc me voilà aujourd'hui dès le 2. Je pense que cette vidéo arrivera dans la première semaine de janvier. Donc voilà, déjà dès le 2 janvier je commence à filmer des vidéos. Ça sent bon pour cette année. Donc voilà, je vais essayer de faire plein de contenu. J'ai eu un long moment de questionnement et de pause pour savoir si c'était toujours quelque chose que je souhaitais faire ou pas. Et la réponse est oui, puisque je suis ici aujourd'hui. Donc Ok, bah un chicken louisienne et frites et Fanta. Voilà. S'il te plaît. Donc d'ailleurs je vais vous faire une vidéo très prochainement pour répondre à vos questions concernant l'absence et les questions également sur ma vie, puisque j'ai quand même pas mal évolué depuis mes dernières vidéos. Donc je vais vous mettre mon Instagram juste ici et dans quelques jours je vais vous faire un sondage sur Insta pour une prochaine vidéo FAQ. Trêve de bavardage, aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue vidéo cadeau de Noël, puisque c'est une vidéo qu'on me demande toujours malgré que je sois absente sur les réseaux. Donc comme vous le savez peut-être, je suis née le 3 décembre, donc il faut savoir que j'ai déjà été énormément gâtée pour mon anniversaire. Je sais pas si une vidéo cadeau d'anniversaire vous intéresse, mais j'ai eu beaucoup de choses et malgré ça j'ai été encore une fois extrêmement gâtée pour Noël. Donc voilà, j'ai passé un super moment en famille, bien plus important évidemment que tous les cadeaux, même si ça fait toujours très plaisir, mais j'ai passé vraiment un super bon moment avec toute ma famille et j'espère que vous aussi. Donc bref, en tout cas j'ai tellement envie de parler parce que je suis si heureuse de revenir sur YouTube. Donc voilà, je suis tellement contente de vous retrouver. Alors on va faire les cadeaux par ordre, on va dire, de personnes qui m'ont offert. Donc on va faire d'abord ma belle famille, ensuite mon copain et ensuite ma famille avec du coup mon grand-père et mes parents. Donc on va commencer par les cadeaux de ma belle famille, donc des parents de mon copain. Donc tout d'abord j'ai reçu de l'encens, donc comme ceci, qui sont super bons, avec donc deux diffuseurs, je pense qu'on dit ça comme ça. Ensuite j'ai eu deux petites paires de baguettes comme ceci, donc voilà, et donc je crois que tout vient de la maison du Japon. Donc voilà, encore une fois merci beaucoup. Et ensuite donc de la part des grands-parents de mon copain, j'ai eu ce livre, je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc c'est le livre Culotté de Pénélope Bagieux. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler de nombreuses fois et que je voulais absolument avoir et lire un jour dans ma vie. Donc en fait c'est des femmes qui font uniquement ce qu'elles veulent. C'est un livre entièrement féministe que je suis trop contente d'avoir reçu. Ensuite on va passer au cadeau de mon copain. Donc il faut savoir que j'ai été extrêmement gâtée et je le remercie énormément parce que je sais qu'il va passer par là. Donc voilà, j'ai vraiment été genre extrêmement gâtée. Donc tout d'abord j'ai eu cette magnifique doudoune comme ceci, donc en simili cuir. Donc voilà, je la voulais énormément et j'avais vu ce modèle sur le site de Zara et je voulais aller l'essayer. Et gros coup de cœur, je l'adore, c'est vraiment mon manteau du moment. Depuis je ne fais que la mettre et j'adore le style que ça donne. Donc ce manteau vient de chez Zara, cette doudoune elle est juste magnifique et je suis vraiment trop contente de l'avoir eu. Chez Zadig et Walter, donc je suis trop contente. J'ai eu ce magnifique t-shirt que je voulais depuis tellement de temps. Finalement mon copain me l'a acheté, donc c'est celui-ci. C'est donc le t-shirt avec marqué Zadig et Walter, tout simple, mais il est juste magnifique. Et puis voilà, moi Zadig et Walter c'est une marque que j'adore, donc je suis trop contente. Ensuite il m'a fait la surprise de m'offrir cette petite paire de boots, donc comme ceci, qui sont juste magnifiques. Donc je les adore vraiment, elles sont trop belles. La forme elle est super jolie portée, je suis vraiment trop fan. J'ai également reçu une petite paire de boucles d'oreilles que je vous mettrai juste ici. Donc ce sont des boucles d'oreilles de chez Zara que j'adore vraiment, elles sont parfaites, elles sont vraiment magnifiques. C'est
totalement mon style. Et voilà, donc ce sont des créoles avec plein de petits strass et vraiment je les adore. Ensuite, toujours de la part de mon copain, j'ai vraiment été extrêmement gâtée. J'ai eu deux livres que je voulais énormément, donc sur la mode et donc sur l'univers un peu du luxe, tout ça. Donc tout d'abord, j'ai eu le livre donc Haute Couture, magnifique. Et donc à l'intérieur, vous avez des designs juste absolument dingue. Je pense pas qu'on verra bien avec l'éclairage, mais les designs sont juste vraiment vraiment magnifiques. Donc voilà, ça parle sensiblement évidemment de la haute couture et également des créateurs comme par ici par exemple Jean-Paul Gaultier. On parle également de Chanel et de plein d'autres grands noms, on va dire, de la haute couture. Donc je suis trop contente de pouvoir un peu plus m'intéresser davantage à la haute couture. Toujours dans le même registre, j'ai également reçu un livre, donc c'est celui-ci, c'est la biographie de Dior. Et en fait c'est un livre que je trouve hyper bien fait, donc je ne l'ai pas encore lu celui-ci. En fait, comment vous dire, il est très imagé et en fait je trouve que la biographie est vraiment hyper intéressante parce qu'on a vraiment envie de le lire. C'est vraiment, tout est imagé, tout est bien dessiné. Voilà, je suis trop contente de ce livre et j'ai trop hâte de lire. Et ensuite, dernier cadeau et pas des moindres de la part de mon copain, j'ai reçu une paire de Converse. C'est vrai que j'aime bien les chaussures un peu classiques, mais quand j'ai l'opportunité, on va dire, d'avoir des Converse un peu plus originales, j'ai adoré sauter sur l'occasion, sauf que c'est de plus en plus rare. Et là, genre, j'ai eu un modèle qui est absolument incroyable. Donc vraiment, je les trouve vraiment dingues. Je les ai jamais vus porter sur qui que ce soit. Donc je suis trop contente. Comme ceci, donc c'est un modèle en marbre. Donc moi déjà, j'adore le marbre, que ce soit en déco, enfin peu importe, sur les coques de téléphone, etc. Et là, en vêtements, en chaussures surtout, je trouve ça vraiment trop joli. Et un modèle tellement original. Et vraiment, je suis absolument fan. Donc voilà, je voulais vraiment remercier mon copain pour tous ces cadeaux parce que j'ai été extrêmement gâtée. Donc voilà. Ensuite, on va passer au cadeau que j'ai eu de la part de mon grand-père. Donc tout d'abord, j'ai eu plein de petites babioles comme ceci, trop mignonnes, vraiment absolument dans le thème de Noël. Donc je suis vraiment trop contente. Donc voilà, faut savoir qu'en plus il y en a certaines qui font de la lumière, donc c'est trop mignon pour décorer sa chambre, vraiment j'aime trop. Ensuite, j'ai reçu cette magnifique lanterne. C'est vraiment un super objet déco. C'est super lourd, en bois comme ça. Et en fait, il y a des petits personnages, encore un peu dans le thème de Noël. Quand ça s'allume, vous avez donc comme de la neige. C'est des petites paillettes qui se mettent dans la lanterne. Donc je suis trop fan. Je trouve ça absolument trop mignon. Et ensuite, pour finir, j'ai eu un coffret à bijoux. Un énorme coffret comme ceci, que j'adore, je trouve vraiment trop beau. Et en fait, donc c'est un coffret à bijoux qui s'ouvre comme ceci. Hop. Et on a donc encore d'autres rangements en bas. Et celle-ci est vraiment trop jolie. Je la trouve absolument magnifique. Donc ça, je suis trop contente, merci beaucoup. Ensuite, donc de la part de l'ami à mon grand-père, j'ai reçu donc ce coffret jusqu'ici de la marque Marionne. Donc c'est mon coffret beauté sur mesure. Et donc c'est une grande palette qui se présente comme ceci, qui est juste absolument magnifique. Et à l'intérieur, on retrouve donc un grand miroir déjà, évidemment c'est essentiel. Un petit rouge à lèvres juste ici, un petit crayon. Et alors là, on a donc un miroir. Juste ici, vous avez des sets de maquillage tout simplement, donc de fard à paupières, qui se clipsent à l'intérieur donc de ce petit boîtier. Franchement, je trouve ça vraiment trop top. Donc voilà, je savais même pas que ça existait. Donc franchement, je suis trop contente. Et pour partir en voyage, etc., je trouve que c'est vraiment pratique. Et maintenant, on va passer au cadeau de mes parents. Donc j'ai été encore une fois extrêmement gâtée. Il y en a genre vraiment partout autour de moi. Donc premièrement, on va commencer par tout ce qui est un peu vestimentaire. Donc voilà, les habits que j'ai eu, etc. Donc tout d'abord, j'ai reçu cette petite paire de collants comme ceci, donc à pois. Donc voilà, de chez Calzedonia, je voulais trop des collants comme ça. Donc voilà, c'est un petit cadeau qui fait toujours très plaisir. Tout d'abord, j'ai eu donc ce petit pull col roulé comme ceci, donc violet, un peu pétant. Je pense qu'on voit pas vraiment la bonne couleur à la caméra, de la marque Bershka. Donc voilà, je suis trop contente. Moi j'adore les cols roulés pour l'hiver. Et en plus, mettre un peu de couleur, un peu de gaieté dans ces paillettes un petit peu terne de l'année, ça fait toujours vraiment très plaisir. Ensuite, pour continuer dans les habits, donc j'ai eu ma période un petit peu fan de cardigan, comme vous pouvez le voir. Et notamment chez Stradivarius, j'ai craqué pour deux modèles qui sont absolument dingues. Et je pense que j'en craquerai pour peut-être d'autres plus tard parce que j'adore ça. C'est celui-ci pour le premier. Il est vraiment trop beau avec les petits boutons comme ça qui sont un peu, comment dire, tachetés. Enfin vraiment j'adore cette pièce.
je suis trop trop fan. Dans le même style, enfin exactement le même, mais en rouge. Et ce fois, par contre cette fois-ci le rouge est quand même très foncé. Donc c'est celui-ci. Et je suis trop fan parce que pour l'hiver, voilà, les tons comme ça, c'est juste magnifique. Ce pull-ci, j'adore la couleur, mon dieu. C'est juste magnifique. Donc c'est une couleur lilas, donc t'as acheté en blanc. Et donc c'est un pull comme ceci. Donc voilà, il est absolument magnifique. Moi je ne sais quoi dire, il est trop trop beau. Ensuite j'ai eu un pull que je voulais, mais je pense depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. Et donc c'est dans une petite boutique bordelaise qu'on peut le retrouver. Donc c'est ce pull-ci. Donc voilà, c'est un pull marqué rock'n'roll avec une petite étoile en col V. Moi j'adore les pulls en col V, je trouve ça magnifique. Donc voilà, il est bleu marine, bleu nuit un peu. Il est juste magnifique, il est trop doux, trop chaud. Il est en laine, enfin oh là là, j'adore ce pull. Dernier pull que j'ai reçu, donc c'est celui-ci. Donc c'est ce pull de chez Bershka. Donc je le trouve vraiment trop 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 beau. Il est genre la matière, je sais même pas comment l'expliquer, elle est tellement confortable, tellement douce. Vous pouvez voir, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pulls qu'il va falloir que je range après cette vidéo. Mais vraiment, je suis trop contente. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de couleurs. C'est ce que je voulais trop, trop, trop avoir. Et que j'ai eu, c'est un énorme peignoir qui est absolument trop mignon de la marque Undies avec marqué juste ici. Je vous laisse lire. Boudeuse. Trop mignon avec des petites oreilles là comme ceci. Je sais pas si on voit. Comme ça, c'est trop chou. Donc voilà, il est rose, il est trop mignon. En fait, je le mets comme ça pour chiller quand il fait froid, l'hiver. Et quand je sors de la douche, quand tout le temps en fait. Genre, je trouve toujours un prétexte pour le mettre parce que je l'adore. Il est tellement confortable, il est tellement doux. On va passer à tout ce qui est un peu beauté. Donc notamment, j'ai pas eu de maquillage cette année parce que j'en ai déjà bien trop. Donc voilà, mais j'ai reçu des trucs qui m'ont fait tellement plaisir. J'ai reçu donc un énorme parfum, je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, de 200 ml. La vie est belle de Lancôme, j'adore ce parfum, il est juste énorme, il est gigantesque et le packaging est magnifique et j'adore ce parfum, donc je suis trop 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 contente. Ensuite, ma mère savait que j'adorais ce parfum, en fait je l'ai reçu de la part d'Yves Saint Laurent il y a quelques temps et j'ai déjà fini, enfin il est vraiment génial ce parfum. Et c'est le Libre, donc c'est le dernier je crois qu'ils ont sorti. Je l'ai reçu dans un coffret qui est juste absolument dingue, donc ça clairement ça va partir en déco très rapidement parce que j'adore ça. Et donc il y a eu donc le petit parfum comme ceci avec un mascara ici et un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Donc franchement voilà, je suis trop contente. On va passer aux bijoux et ensuite on passera aux deux derniers énormes cadeaux. Donc tout d'abord des bijoux, j'en ai eu trois. Donc j'ai eu donc tout d'abord cette petite pochette donc d'une petite créatrice. Donc ce sont des bijoux faits main. Un collier, donc c'est un peu dans l'esprit des colliers, des bracelets de la marque Dinvan. Donc voilà, avec des menottes comme ça, je suis trop fan. Ensuite, donc dans les mêmes esprits, j'ai reçu le collier, donc pardon, le bracelet. Donc comme ceci, rouge avec les menottes comme ça, argentées, j'adore. Donc merci beaucoup maman, parce que je sais que c'est toi qui l'as pris. Et ensuite, j'ai eu ces petits cadeaux comme ceci. Donc déjà, il y a la petite pochette évidemment, dans laquelle est transporté le bijou. Et c'est un énorme coup de cœur. Donc c'est un bijou avec une petite chaîne comme ça et un cadenas. Donc c'est totalement mon style or, encore une fois, parce que j'adore ça. Et voilà, c'est totalement mon style, vraiment à 100%. Ensuite, j'ai eu le livre, donc toujours plus de Léna Situation. C'est un livre que je voulais déjà depuis tellement longtemps. J'en entends parler déjà depuis quelques temps et celui-ci, je l'ai commencé. Donc c'est un livre hyper optimiste, un peu donc pour une réflexion personnelle, tout ça. Et de ce que j'ai commencé, vraiment, je suis trop trop fan de ce livre. Vraiment, je l'adore. Ensuite, on va passer aux deux derniers cadeaux que m'ont offert mes parents. Donc deux énormes cadeaux, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par la grosse poche, pardon, Zadig et Voltaire. Donc comme ceci. Donc j'ai eu un sac que je voulais depuis énormément de temps. Donc c'est celui-ci. Donc c'est les pochettes rock et donc c'est le grand modèle. Et c'est donc le modèle juste ici avec donc andin, avec plein de perles sur les côtés. Et je voulais vraiment celle-ci que je trouve un peu moins commune, un peu plus rare on va dire. Et elle est vraiment magnifique, j'adore vraiment ce sac et je le trouve absolument
trop trop beau. Donc merci beaucoup à mes parents encore une fois. Maintenant on passe au cadeau de la marque Louis Vuitton. Donc il faut savoir que j'ai eu beaucoup de Louis Vuitton ce mois de décembre parce que vraiment j'ai été très 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 gâtée. Donc j'ai eu un bandeau donc en soie de la marque Louis Vuitton qui est juste magnifique. Il faut savoir que moi j'adore les bandeaux pour mettre dans les cheveux, autour du sac, autour du cou, vraiment j'adore. J'ai eu ce modèle que je trouve magnifique, je suis trop trop fan. Donc il est comme ceci, je sais pas trop si on le verra bien. Donc voilà, avec des petits cadenas, des petites chaînes avec marqué donc Louis Vuitton, hop, juste ici. Il est magnifique, vraiment je le trouve splendide, je suis trop 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 contente de ces cadeaux. Voilà, c'était les deux gros 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 cadeaux que j'ai eu. Et vous voyez tout ce que j'ai eu autour, donc c'est juste vraiment génial. Je remercie énormément tous mes proches pour ces cadeaux qu'ils m'ont fait, ils m'ont beaucoup trop gâté. Vraiment merci énormément pour tout parce que c'est juste dingue. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, j'espère que vous avez également été gâtés. Dites-moi tous vos cadeaux dans les commentaires, ça me fera trop plaisir de vous lire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je l'espère, je vous souhaite encore une merveilleuse année et je vous fais plein de gros bisous. Bye!